de l'univers des enfants, on va rester dedans grâce à James Hino qui a décidé de s'entourer de quelques petits copains de dessins animés notamment pour nous faire plaisir. Et Chantal Goya n'est évidemment pas la seule compagne de nos chères têtes blondes. Je pense que vous êtes d'ailleurs avec l'autre ami des enfants, James, en tout cas de l'époque où nous étions enfants. Oui, oui, tout à fait, de Warzé d'ailleurs. Vous avez raison de le préciser, parce que si c'était les amis de nos enfants à nous de nos jours, bien sûr, ce serait plutôt Matt Pokora, Booba ou encore la plateforme YouPorn, bien sûr, que vous connaissez très bien, de Warzé. Vous non, avez gardé votre non, âme non, d'enfant. Non, je ne connais pas, James. Si, cette âme d'adolescent que vous vous êtes forgé à force de poignets pendant plus de 45 ans de Warzé. Ça vous a d'ailleurs rendu un petit peu dur de la feuille. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors, la personne que je reçois aujourd'hui, c'est une personne qui a égayé notre enfance, nos matinées, bien sûr, avec des dessins animés de grande qualité, qui ont élevé nos esprits, mesdames et messieurs. Dorothée, bien sûr, je parle de Dorothée. Regardez-moi. Salut les enfants, salut les amis, salut les musclés, ils sont où les musclés? Ah là, non, les musclés, il n'y a pas... Ils sont pas là les musclés? Non, il n'y a que des gras du bide ici, pas vrai Luther? Non, pas de méchanceté sur le plateau, c'est Dorothée. Et Jackie, il est où mon Jackie? Ah non, oui, Jackie, lui aussi, s'est reconverti sur une autre plateforme avec son épousée Michel. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tout le monde les remercie, ces gens-là, pas vrai de Warzé? Non, mais dites ça va, vous... Michel. Non, ne dites pas ça, ça va l'exciter. Non, allez, oui. Vous n'avez aucune pitié, vous, hein? Ah, pas de pitié pour les croissants de Warzé. Elle est bonne, celle-là aussi. Dorothée, peut-être, je pense que vous avez une excellente nouvelle à nous annoncer. Et ça, je pense que c'est le moment de le faire. Tout à fait. Avec toute l'équipe, nous débarquons en Belgique sur la chaîne publique, sur la 2, et on va relancer le club Dorothée. Ah, ben, excellent, excellent. Ah, ben, ça, c'est bien. Ah, ben, voilà. Ah, ben... On pourrait peut-être appeler ça le club Dorothée, alors. Bien sûr, je ne comprends pas. Ah ben, c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, ça fera 40 heures par semaine, on aura déjà plus les mioches dans les pattes, ça c'est une excellente nouvelle. Il y aura qui dans cette émission? Eh ben, les enfants, je vous demande d'accueillir Albator. Albator, 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 Albator. L'espace, bien entendu, avec cette superbe cicatrice et cet air ténébreux, bien entendu. Oh, Albator, tu es si beau avec cette cicatrice et ce regard ténébreux. Tu me fais penser à... Franck Ribéry, hein, directement, on le voit, il fait penser... Oh. En plus beau, il est plus beau que Francky, quand même, faut le dire. Alors, vous avez débarqué ici, je crois... Comment vous avez débarqué ici, capitaine? Depuis 40 ans, je cherche une destination que je ne pensais jamais atteindre. Et là, j'y suis arrivé, je l'ai trouvé. Quelle est cette destination? Le vide sidéral. Ah ben là, vous êtes en plein dedans dans le vide intersidéral. Pas vrai, de Warzé? Oui, c'est va, vrai, je, ça. Je comprends pas très bien ce que vous dites, moi. Ah, bien sûr. Oh. Bonjour, toi. Bonjour. Cette petite boule de fromage qui chante. C'est Heidi. Heidi, tu remettras le bonjour à ta cousine Clara qui est tétraplégique et à ton grand-père qui va mourir. Oh là là là. Oh. C'est les frères Dardenne qui ont écrit le scénario du dessin animé ou quoi? Je comprends plus rien, moi. Au pays de Candide, comme dans tous les pays. Allez, tout le monde chante. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Oh. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Oui. Un peu d'astuce. Ça va, oui. D'escaigleries. Merci beaucoup. C'est la vie de Candy. Parfait. Ben voilà. Candy, mesdames et messieurs, les applaudis bien fort. Candy, mesdames et messieurs, bien sûr. Alors. Attends. Comme dans tous les pays. Oui, on a compris, on a déjà on chanté. S'amuse, on pleure, on rit. On rit énormément. Il y a des méchants et des. Et comment ça casser les couilles là? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Avoir des amis, c'est très utile. Très utile, ben d'accord, supprimez-la maintenant. C'est bon, on a compris le message. Pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très... Vous faites la propagande du PS ou quoi? C'est ça que vous faites? Ils ont pas besoin de vous, hein? Bon, alors j'ai une question à vous poser, une question décisive. Non, je n'ai pas le temps, je dois partir à la recherche du petit prince des collines. Et voir aussi tous mes amis mourir un à un dans des atroces souffrances. Ah, c'est extraordinaire, absolument. Ben, merci beaucoup. Dites Dorothée, je me pose une question. Les scénaristes, ils fumaient du shit quand ils ont écrit les scénarios ou qu'est-ce que c'est que... Oui.
Et maintenant, les petits amis, Dragon Ball Z. Ah non, mais faut mettre la perruque, ah, mais non. Mais faut mettre la perruque, sinon c'est quoi ça? Mais sinon ça ressemble à rien, faut mettre. Ah ben là c'est quoi? Dragon Ball Z, mesdames et messieurs. Extraordinaire. Ben on voit bien qu'on n'a pas les moyens du Japon ici. Ah ben hein? Voilà, ben c'est très très bien. Bon allez, j'ai juste un petit effet, quelque chose. Kamehameha. Confondant. C'est extraordinaire, hein? Ah, je suis très impressionné. Et maintenant, les amis, le clou du spectacle, Bioman Force Rouge. Bioman. James, excusez-moi, mais c'est quoi ce Bioman de Lidl, là? Excusez-moi, hein, mais... Ah oui, Mais oh, je peux pas faire Chantal Goya, Bioman, tout ça dans la même soirée, hein, les gars. Il va falloir augmenter les tarifs, hein. Qu'est-ce que tu crois, là? Ça va pas ou quoi? Dites, vous n'avez pas quelqu'un d'un peu emblématique à nous présenter? Je ne sais pas, rêvons un peu. Il n'y a pas Bernard Minet avec vous, par exemple? Ben, vos désirs sont des ordres, moi, c'est... Je suis payé pour ça, vous voulez Bernard Minet. Ben... Bernard, il est pas dans le coin. Bernard, tu es là, Bernard? Ah oui, ah, Bernard, de la terre. Tout le monde prend la voix, on y va. Moitié,